Jonathan, range ta chambre! Je me souviens encore quand mon père me disait ça. Et là, je tournais la tête. Je regardais ma chambre. Je regardais mon père. Je re-regardais ma chambre. Et je voyais bien tout le bordel de la chambre reflété dans les yeux de mon père. Et je vous assure qu'aucune caméra, même la plus chère du monde, n'égalera la fluidité à laquelle je voyais la main de mon père se poser violemment contre ma joue en slow motion. C'est des moments forts tout ça. Bref, on va descendre un petit peu, tranquillement. Putain mon vieux, je sais même plus par où je suis monté. Je crois que c'était de l'autre côté que j'étais monté, oui. Oui, voilà, c'était par là. Hop là, voilà. Voilà, impeccable. Donc, comme vous l'avez vu, c'est le bordel sur l'île. Oh, ça va, hein. Allez, va. Qui n'a jamais été un tant soit peu bordélique? Hein? Qu'on me jette la première pierre. Bon, va falloir ranger tout ça maintenant. Parce que c'est pas le tout, mais c'est un truc de malade. La dernière fois, souvenez-vous, on était en train d'améliorer le radeau et tout. Donc là, je l'ai encore amélioré, une fois de plus, hein. Il est plutôt bien grand. Marie-Madeleine? Ah, au moins dans tout ça, il y en a une qui s'y plaît dans tout ce merdier. C'est bien elle, voyez-vous. Hein? Tu te soucies pas de tout ça, toi? Tu t'y plais dans ce crassier, hein? Allez, va. Tiens, vole. Oh là là, regardez ça, elle est tellement gracieuse, notre Marie-Madeleine. Bon, écoutez, on n'a pas spécialement trop le temps. C'est long et fastidieux de ranger sa chambre. On va se la faire à la Joséphine Ange Gardien. On va se concentrer. On va claquer des mains tous ensemble. Ah, vous voyez? Ça marche à tous les coups. Là, on y voit plus clair déjà. Ah, si seulement ça aurait pu se passer comme ça en vrai. On aurait évité bien des dégâts, moi je vous le dis. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'île. Je vais vous montrer ce qui s'est passé durant notre absence. Donc, j'ai mis ici les pierres. J'ai mis ici tout un tas de bordel. L'air tank, les flingues, le Klaus. J'ai rangé ici les armes, ici les coffres. Ici, j'ai mis les troncs d'arbres. Ici, j'ai mis tout ce qui est moteur. Ici, j'ai mis tout ce qui est soin. Ici, j'ai mis les branches de palmier. Là, j'ai mis les sticks, les wood sticks. Donc, tout va bien pour le mieux. Ici, j'ai mis les cordes. Donc, cordes, cuir. Là, j'ai mis toute la bouffe dans le radeau jaune. Et ici, bien entendu, Marie-Madeleine qui surveille notre potager. Ça pousse? Non, toujours pas? C'est normal, ça va venir. Ici, la table. Donc, voilà. Tout va bien. C'est nickel. On va faire une petite sieste. Et on se retrouve demain matin. Allez, bonne nuit tout le monde. Ah, ouh, quoi donc? On se réveille en pleine nuit. Ah bah ouais mon vieux, 3h07. Bon, eh bah écoutez, on va boire un petit coup, on va manger un peu. Ça ne devrait pas tarder à pleuvoir. Donc, tac, voilà, un petit godet dès le matin, bien frais. Voilà, où est-ce qu'on en est? Eh ben, on est plein au niveau de la soif. Il nous reste la nourriture. Allez, vas-y, on va se faire une petite boîte de conserve comme ça, tranquillement. Voilà, donne-moi ça. Impeccable. Yes. Et yes. Ok. Ça, normalement, ça remonte bien, les boîtes de conserve. Ah, on va peut-être en manger une deuxième, finalement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, mon vieux. Ça, mon vieux, c'est un ouvre-boîte du turfu, je peux vous le dire. Avec ça, vous êtes tranquille. Et ben, on est à fond, donc c'est nickel. Notre santé va commencer à remonter tout doucement. Donc ça, c'est plutôt cool. Marie-Madeleine? Ouais, elle est là, elle est sage. Quelle heure est-il? Il est 4h23. Ok, c'est parfait. On va peut-être se faire une petite pioche quand même avant d'y aller. Tac, on va prendre ça, c'est cool. Et il nous manque des stone tools. Normalement, j'en ai deux. Normalement, j'en ai un là et un... Bah, mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Alors 6h, le soleil commence à se lever. Ah, status effect, cold. Ok, d'accord, très bien, très bien. Est-ce que je peux me faire une pioche? Oui, tac, c'est nickel. Alors, je vous ai pas dit non plus, mais j'ai toujours pas trouvé de clé. En même temps, j'ai pas spécialement cherché. Donc voilà, je sais que c'est sous la mer. Ça, c'est sûr. Mais où? J'en ai aucune idée, mon vieux. C'est pas ça, des fois, non? Non. Non, 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 c'est pas ça. Il y a une raie, mon vieux. Alors là, je ne saurais pas vous dire où est la clé. Je sais que c'est sous l'eau parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Mais je vois pas où. Attends, je vais remonter parce que je vais me noyer. Voilà, on se casse. Bon, écoutez, on va pouvoir construire 2-3 trucs. Ça va être cool. Qu'est-ce qu'on va construire? Je pense que... Bah, du coup, on peut pas se faire un four. On peut se faire ça. Loom. Ouais, ça, c'est faisable. Il nous faut 4 cordes. 1, 2, 3... 4, ok, et on va se construire ça, il nous faut 6 sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes. Et bah voilà, bah c'est impeccable. Regardez ça, on dirait une harpe ce bordel mon vieux. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça va nous servir? Bah écoutez, on va le poser à côté de son pote, hein, tranquillement. Voilà, juste ici. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir pour le moment. Bon, écoutez, on va laisser ça là, tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire ça, un smoker. Yes.
une corde et un fire spit. Oh, c'est quoi ça? What? Death Survived 10? Non, arrête. Genre, il y a eu un truc spécial. On a survécu 10 jours, ça a fait un truc spécial. Ah bon? Putain, j'étais en train de me promener tranquillement là. Et en fait, j'étais en train d'aller chercher ce qu'il faut pour faire. Bah, pour faire ça, tout simplement. What? Bah, attends, j'ai pris une corde là, non? Ah non, j'ai oublié. Day Survived 10? Non! Arrête! Jure! Qu'est-ce que ça dit si on fait ça? Bah, c'est pas mal! Et bah, voilà! C'est bon! Impeccable! Bah, là, laisse tomber. Là, on est équipé, mon vieux. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Plank Station! Bah, ça, on peut le faire, Plank Station! Il nous faut de la corde, un tronc d'arbre. Bah ça, normalement, on a ce qu'il faut. Hein. Il nous faut un marteau en bois, ok. De la corde et un tronc. Voilà, crac. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, mon vieux? Bah écoutez, je vais la mettre là. Non, attends. Je vais la mettre là, voilà. Crac. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, mon vieux? Ah, c'est... C'est peut-être pour faire des planches, je sais pas. Attends, non. Franchement, là, j'en ai aucune idée. Écoutez, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce qu'on peut faire avec ça. On peut certainement faire des planches avec du bois. Mais je sais pas comment ça marche pour le moment. Bon, et bien écoutez, on est en train de se mettre plutôt pas trop mal. Alors ça, on m'a dit dans les commentaires à quoi ça servait. J'ai complètement oublié. Le problème, c'est que à chaque fois, je reçois tellement d'astuces sous les commentaires que... Bah, je les lis tous. Et puis au bout d'un moment, je retiens pas tout, quoi. Je sais plus comment qu'on se sert de ça. Je sais plus. Je l'avais lu dans les commentaires. Je sais que c'est pour faire des lasers, des cuirs, mais je sais plus comment. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... Bah, c'est qu'on va agrandir un peu le radeau, tout simplement. Voilà, pour mieux partir à l'aventure. Ah ouais, moi je veux faire un radeau, laisse tomber. J'ai envie de faire un radeau de compète. Alors, vous allez voir, ça va cartonner. Voilà, je prends ça, yes. Ça va déchirer, quoi. Crac. Un petit deuxième pour la route, parce que deux, c'est pas trop. Crac. Un petit troisième, c'est pour jouer la sécurité. Impeccable, yes. Crac. Crac et crac. Robinson Crusoe n'a qu'à bien se tenir, moi je vous le dis. Colanta, préparez-vous, j'arrive. Oh putain, ce truc de fou, mon vieux. Il est énorme, le radeau. Il est énorme. Et bah écoutez, bah j'ai envie de l'agrandir encore un petit peu. Sur l'autre côté, cette fois-ci. Voilà. Oh là 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 là. Et là, franchement, je vous le dis, j'ai la place pour déménager toute mon île. C'est un truc de fou, je peux tout ramener sur le radeau. Tout. Je suis sûr, il y a même moyen que je pose le radeau jaune sur le gros radeau en bois. Il y a moyen. Voilà. Pef. Bon bah écoutez, je crois que cette fois-ci on n'est pas trop mal. Regardez ça quoi, le radeau de la mort, mon vieux. Le radeau de compète quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Oh putain, ça commence à pleuvoir. Bon et bien écoutez, on va boire un petit coup avant de partir à l'aventure tranquillement. Et puis après on va s'y jeter. On va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Alors là, l'objectif, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on trouve de la clé, ce serait plutôt pas mal. Hey, yes, regardez ça. Après la pluie, le beau temps. Excellent. Marie-Madeleine, viens donc voir par là. Oh là là, regardez ça. Il est juste... Attends, il est quelle heure là? Oh putain, le soleil, il va se coucher quoi. Merde. Bon, attendez. Je vais prendre une boussole quand même avec moi. Voilà, on va prendre ça. Et je vais prendre une torche. Ok, c'est parti. Bon, allez, let's go. C'est parti. Oh là là, comment que... Pff, comment qu'il est énorme, le radeau. Il est énorme. Bon, bah, écoutez, on est parti tranquillement. On va aller voir... on va aller voir où, ça? On va aller voir sur l'île en face. Oh, attends. C'est ma machette, ça. Qu'est-ce qu'elle fout, là? Putain, je l'avais lâché, quoi. Je regarde juste dans quelle direction on se trouve... Donc là, ce sera plus au nord, ouais. Voilà. Au nord, à peu près, ok. D'accord, c'est nickel. C'est excellent maintenant qu'on a le radeau, quoi. Là, on va pouvoir tout ramener, mais un truc de malade. On va pouvoir ramener trop de trucs. Regardez ça, mon île au loin, elle brille de mille feux. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre un turbo au cul du moteur, vous pensez pas, non? Si ça se trouve, allez savoir. Non, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus il est gros... Moins il va avancer vite. Ce qui serait logique, allez-vous me dire. Il a vu, capitaine. On va jeter l'ancre. Alors le truc, c'est que ici, bah, pff, j'y ai forcément été, quoi. C'est obligé. Je peux vous dire que j'ai fait le tour de... Voilà les îles. Voilà. Yes. Stop. Impeccable. Bon, on sort la torche. C'est parti. Ah bah oui, j'y étais. Oui. Effectivement, j'ai même mis... voilà.
J'avais mis ça pour me repérer. Ok. Bon, et bien écoutez, vu qu'on est déjà parti ici, on va aller ailleurs. On va continuer derrière cette île. Et on verra bien. Allez, c'est parti. Petite manœuvre, marche arrière. Oh là 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 là. Oula, oula, oula. Je vais toucher un iceberg là, non? Non, c'est bon, impeccable, je suis passé à côté. On va faire le tour, on va passer derrière l'île. Comment qu'il est chaud à manœuvrer le radeau, mon vieux. Le bateau là-bas, bah ouais, j'ai forcément tout fouillé ici. J'ai déjà tout fouillé, c'est sûr. On va partir plus par là, on va partir derrière. Là, on s'en va, mais je ne sais pas où. Hein. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'on arrive en bout de map, là. Non? Ah ouais, regardez ça. On arrive en bout de map, là. Attendez, je sais pas, on va tenter de cheater. Et si on continuait au bout de la map? Ça se trouve, ça fait effet... voyez ce que je veux dire? On arrive peut-être de l'autre côté et... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on va tenter comme ça. Voilà, là, on a passé le bout de la map. Est-ce qu'on va réapercevoir des îles? Est-ce que c'est comme je pense? Sinon, on fera demi-tour et puis c'est tout. Hein. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire demi-tour, du coup. Ouais, parce que là, il n'y a plus rien par là. Attendez, j'ai l'impression qu'on est perdu, là. Ah non, c'est là-bas. Eh franchement, je vous dis, encore heureux qu'on a le radeau à moteur, hein, parce que je me serais jamais aventuré comme ça si on avait juste le truc à la rame. Hein. C'est mort, quoi. Là, on se sent un peu plus en confiance parce qu'on a le moteur et tout. On se dit, bon, allez, vas-y, tu roules, c'est bon, ça va y aller tout seul. Non, parce qu'à la rame, c'est même pas la peine. Bon, du coup, on va tenter de partir un peu plus par là. Voilà, on va tenter de partir par ici. Attends, voir, je vais prendre ma boussole. Voilà, direction vers le nord. Bah, c'est là... C'est là où on a notre île, vers le nord. Donc on va aller plus par là. On va aller vers l'est. Direction vers l'est. C'est parti. À tribord toute, mon capuchef. En avant, toute. Île droit devant. On va jeter l'ancre ici, je pense. Attendez, parce que ça me dit quelque chose, cette île. Non? Pourtant, j'ai fait de la route, là, quand même. Ah non. Non, ça me dit rien. Ah, je sais pas, c'est peut-être les couleurs qui me disent rien. Il y a une épave là-bas. Une épave ici. Ok. Encore une épave derrière. On va essayer de s'arrêter ici tranquillement. Voilà. Là. Hop, 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 hop. Voilà. Nickel. Tu gardes le radeau. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à ramasser là-dedans des fois? Ah, il y a des pneus. Ouh, non, attendez. Ah, si, 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 je suis venu ici. Ah, quoi que, il y a une lampe là-dedans. À mon avis, j'ai dû venir, je pense. Bon, bah écoutez, ce coup-là, on va pas réfléchir trop longtemps. On a un grand radeau. On va donc prendre les pneus. Allez, c'est parti. On va agrandir encore le radeau. Quoique. Ouais, si. Voilà, impeccable, nickel. Oh, regardez ça maintenant, quoi, ça tue avec le grand radeau. Et bah, c'est parfait comme ça. Voilà. Là! Impeccable. Oh là là, ça par contre c'est excellent, quoi. Maintenant qu'on a le grand radeau là. Bon, et bien écoutez, je pense que on va encore agrandir ça, hein. On va aller chercher de la corde. Voilà, nickel, impeccable. Je pense que maintenant on peut faire ça. Ah merde, ah bah ouais, j'ai pas de marteau. Ah bah écoutez, on peut pas l'agrandir, il nous faut un marteau. Merde. Ah, c'est con ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, on bouge. Voilà, on va mettre ça ici comme ça. Ce sera parfait. Allez, en avant. Marie-Madeleine, on va la mettre en sécurité juste ici. Voilà, c'est parfait. Yes. C'est que ça penche là avec les pneus là. Je tourne mal, hein. Attends, ça tourne mal. Putain, merde. Ah, ça me fait marrer, mais voilà, voilà. Je mets des pneus sur mon bateau, ça tourne mal. C'est pas des conneries, regardez. Ça tourne mal. Attends. Attends, attends, on va mettre Marie-Madeleine ici. Voilà. Et je vous assure que c'est pas un prank là. Attends. Ah ouais, ouais, non, non. Ça tourne très mal même. Tu vois? Ça tourne très très mal. Ah merde, merde, merde. Attends, et si on met et si on mettait les pneus un peu plus au centre? Comme ça. Ouais, à gauche il tourne bien, à droite il tourne un peu moins bien. Bon, écoutez, on va aller on va aller sur l'île là-bas. On va essayer de tourner tranquillement. Oh putain, ça va être dur. Ouais, ça va être trop dur. Ça va être... Merde. Marie-Madeleine, elle est où? Marie-Madeleine? Marie-Madeleine! Merde! Ah non, elle est là, c'est bon. Oh putain. Oh, ce délire. Attends, je vais la mettre dans mon inventaire, voilà. Parce que tout à l'heure, ça va vraiment mal tourner. Ok, ça... Ouais, ça tourne très très mal. J'espère qu'on va trouver de quoi faire un marteau là-bas. Je voulais aller là-bas, mais... ça tourne vraiment très mal. Comme vous pouvez le constater.
Non ! Merde ! Ah, je peux pas, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Attendez. Je veux quand même tenter de récupérer mon pneu. Putain, c'est con que je peux pas les mettre dans mon inventaire, quoi. Tourne. Putain, il peine à tourner, je vous jure. Il veut pas tourner. Voilà, tranquille. Redresse un petit coup quand même. Redresse. Voilà, redresse. Ah, ça veut pas. Ça veut pas, les gens. Écoutez, on va y aller en marche arrière, je sais pas. Ah, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça, en vrai. Enfin bon, on est presque arrivé, encore un petit effort. Ça devrait le faire. J'espère qu'au moins ici, on va trouver des pierres. Non, parce que je vous explique, j'ai quand même fait pas mal... Putain. J'ai pas mal fait le tour des îles. Voilà, on va tenter de se garer par là. Voilà. Vas-y, on se gare ici, tranquille. Oh, yes. Yes. On va sûrement pouvoir faire un marteau. Ça va être cool. Raft, base, yes. C'est nickel. Bon bah écoutez, on va l'agrandir par ici, hein. Yes. On va prendre tout ça. On va se faire un petit truc de radeau comme ça. Et là franchement, je sais pas jusqu'où on va aller avec le radeau, mais on est parti pour en faire un paquebot. Ça va être pire que le Costa Rica, le bordel, hein. C'est le Titanic version 2.0. Attends, bah on va mettre ça derrière comme ça. Crac, impeccable. Oh, regardez ça. Regardez ça, un sanglier. Saloperie, va. Putain, il s'est barré, l'enfoiré. Il est là. Regarde ça, j'ai mis 2-3 coups sur la gueule, là. Tiens. Alors, ça te les fait, les pattes? Putain, il y a mon repas du soir qui est en train de se faire la malle, là. Viens ici, saloperie. Là. Oh, putain, je l'ai eu. J'ai pas de couteau pour le dépecer. Écoutez, je vais le ramener... je vais le ramener sur mon radeau. Voilà. On va le ramener à la maison. Allez, viens. Voilà, on va ramener ça à la maison. Putain, c'est pareil, j'ai mon radeau qui se fait la malle. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se construire un petit camp sur cette île, histoire de dire qu'on est passé dessus. En principe, je devrais faire ça sur toutes les îles où on passe. Construire un petit camp, comme ça, je sais qu'on est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je sais plus du tout où est notre île. Je sais que nous, on est vers le nord, un truc comme ça. Impeccable. Yes, petite sauvegarde. Bon, eh bien, on est plutôt pas mal pour ce coup-là, j'ai envie de dire. On a bien agrandi le radeau. Et c'est un truc de fou. On a un radeau de compétition, mais un truc de malade. Bon, écoutez, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Stranded Deep. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, je sais qu'on pourrait construire des bases et tout. Pourquoi pas? Voir pour un prochain épisode. Si vous êtes chaud, vous mettez un petit like. Et puis, sinon, on se dit à bientôt. Et sur ce... Attends, elle est où, Marie-Madeleine? Ah bah, elle est là. On vous dit à bientôt avec Marie-Madeleine pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde. Au revoir. Salut. Voilà. En attendant, nous, on va faire une petite sieste. On va se tenir chaud dans la tour de table.